Bonjour tout le monde, bienvenue dans Level One. Regardez ce qu'il y a comme jeu derrière nous, Soul Calibur, un truc de combat à l'épée et d'arts martiaux. Et qui j'ai à côté de moi? Dunk, Christophe Lambert, expert en arts martiaux et en épée et tout. En épée, mais je crois que je vais avoir quelques problèmes. Mais on va se marrer, c'est ça qui est le plus important. Ils ont mis quoi? Highlander pour moi, c'est très injuste. Je ne suis pas Highlander, c'est pas parce que je suis payé pour jouer que... Bon, Highlander, c'est un titre noble en plus, Highlander. Bah écoute, en tout cas, c'est plus noble que Highlander. Ouais. Trop aussi. Je me vengerai, les gars. Tant pis. Donc, le jeu, c'est Soul Calibur. Tu joues un petit peu aux jeux vidéo de temps en temps? Ouais, je joue un petit peu, mais j'ai jamais joué à celui-là. Je joue à des jeux plus de bagnoles, d'avions, de simulateurs de vol, des avions de combat, les machins comme ça, des jeux plus guerriers. Que cela, c'est-à-dire de la guerre en elle-même. Voilà, avec des moyens techniques, et pas avec des points et des bâtons et des trucs. Non, mais ça a l'air bien, ça. Ça a l'air sympa. On va voir. Bah, tu vas me dire, moi j'y connais rien, j'imagine que tu dois être vraiment. T'as pris des cours d'escrime, d'épée et tout. Ouais, mais je crois que ça n'a rien à voir avec les cours que tu prends en vidéo, non seulement les cours, mais aussi les coups. Là, ça fait moins mal normalement. Ouais. Si tout va bien. Bon, Sprit, on y va? On y va. Allez, c'est parti. Donc attends, je vais nous mettre en mode l'un contre l'autre. On va choisir des gars. Alors levons les bras. J'ai mis pas écrit le truc pour qu'on puisse choisir. Moi, je prends toujours ma petite princesse là. T'as qui? Ouais. T'as qui? T'as qui? Ouais. Ben voilà. Moi je vais prendre un gars avec une épée, tiens. Mitsurugi, je sais pas. Tu parles japonais toi? Non, non. Du mal encore. Appuie sur le bouton rouge histoire qu'on choisisse un endroit pour aller spriter. Et puis on va y aller. Donc voilà, j'aurai Mitsurugi. Voilà, et tu as Taki. Taki. C'est plus facile, Taki, à prononcer. Après, à manier, on va voir ce que ça donne. Mitsurugi. Alors ça, c'est moi. Classe, ouais. L'épée et tout. Et là, c'est pareil. Et ça, c'est moi. Donc moi, je te rassure tout de suite, je suis pas un tueur non plus. Il m'est arrivé d'affronter plein de gens. On a fait défiler tous les gens de la chaîne une fois et on s'est tous affrontés sur ce jeu-là. J'avais fini par gagner, mais ça a été dur. D'entrée, t'es comme ça, toi. Très bien. Tu prends ce front-là. Monsieur Pignot, il s'énerve. Ah, il est pas content. J'ai plus d'épée pointue là, qui est pas mal. Ouais, alors en plus, donc, dans ce calibre, quand on se chauffe un peu avant, ça fait encore plus mal. Je t'ai eu ou t'es pas eu? Tu m'as eu. Bon, commence bien pour moi. Pas mal. Donc toi, plutôt jeu de bagnole que jeu de baston brut. C'est le côté, c'est marrant que tu fasses ça. Ça, c'est le replay. Ouais, parce qu'il te montre, en plus, il t'enfonce. Et elle te montre comment tu t'es fait descendre. Jusqu'au bout. Mais attends, c'est que... Ah, vache, t'aimes bien ce coup-là, on dirait. Je vais avoir l'équivalent, il faudrait que j'arrive à trouver. En général, ça, c'est deux boutons en même temps. Ah, la vache. Le truc à la taille, j'aime pas du tout. Voilà. Tu vas pas faire que ça toute la soirée, Christophe, non plus. Oh, abaissé, et voilà. Attention de pas tomber du ring, parce qu'il faut faire gaffe à pas tomber du ring. Dans ce calibre, ça fait partie des règles du jeu. Oh, je t'ai embroché, on va voir le ralenti. C'est super. Pas mal, hein. Viens le deuxième round. Aïe. Oh là là, elle a la roule. Donc évidemment, toi, tu fais ça dans la vraie vie, en tout cas au ciné. Qu'est-ce qu'elle s'est pris? Ça a été dur. Attends, revanche. Donc là, on a le score, regarde. Un combat pour moi, zéro pour toi, parce que c'était le tout premier. Très bien. Je vais prendre une autre fille. Sophie, c'est à... Moi, je reste avec Taki. Tu restes avec elle? Mais t'as raison, alors, comme ça, au bout d'un moment, appuie sur le rouge. Je peux peut-être prendre celle-là, ouais. Elle est pas mal aussi. Ouais. Ce que tu peux faire, c'est garder la même et t'entraîner avec. Je peux pas en prendre deux. Ah, deux en même temps? Non, il y a des jeux où on peut faire ça. Mais pas là. Oui. Alors, elle, on dirait, je trouve la fille dans Vercingétorix. Elle ressemble plus à Sonia dans Mortal Kombat. Ah oui, c'est vrai que t'avais joué dans Mortal Kombat. Tu faisais le mec qui déclenchait le tonnerre, je sais plus. Geden, c'est ça? L'espèce de Laurent Romeshko super puissant. Tu pouvais déclencher à Nico quand tu voulais. Et t'avais joué au jeu, non? Un peu Mortal Kombat ou pas? Il répond pas, il est concentré, hein. Attends, je dis rien, moi, c'est stay de... Ouais, d'accord, on discutera entre deux trucs. Donc je suis la jupette blanche, et petit chantrouche, c'est toi. Oh la vache. Oh là là, il KO encore. Il fait pas mal mon petit truc dans le menton, regarde. Oh. Ah, il y a les commentaires en plus en japonais, je sais pas trop ce qu'il... Ah non, c'est en anglais. Et à droite, c'est quoi? Alors à droite, c'est tu t'énerves, tu te chauffes un peu avant de taper. Moi, je l'utilise pas trop, parce que je trouve qu'on est trop vulnérable. Et si tu veux parer les coups, c'est celui-là. Mais je te recommande plutôt d'appuyer sur tout le plus vite possible. Encore! Tu l'aimes bien ce truc là! C'est pas la même fille, mais tu me refais le même coup en fait. Merde, là je suis dodo, c'est carrément bon. C'est pas bon pour toi. Oh oui, je suis passé en dessous! Ça n'arrête pas de me faufiler. Habilement. Aïe! Ah, t'aimes bien les prises au corps en fait. C'est un côté catcheur. J'ai pas le choix. Yes! C'est truc de catch ça.
J'ai vu qu'il y avait un catcheur qui joue avec toi dans Highlander 4. The Edge. Ouais. Qui est adorable. C'est lui qui t'a appris ça? Non, mais il est adorable. Il fait quoi? Je connais rien moi au catch. Il a quelle tête? J'ai pas vu les photos. Il a une tête. Je t'expliquerai après. Ouais, pour le moment, t'es en train de me piétiner, ouais. Vache! Bon, il faudrait que j'apprenne à parer ce coup-là. Oh, pas mal, hein. Ton petit bouclier, il part bien. Hop. Revenge. Oh là. Ça fait un joli tournoiement d'épée, en fait. Mais j'ai un coup de genou qui tue, moi. Ouais. Ah non, c'est pas du tout ce que tu... Yes! 1-1. J'étais en train de me chauffer. 1-1. Bon! Je trouve que ça chauffe. Ouais, mais alors? En fait, j'étais en train de me préparer à frapper et j'ai pas eu le temps. Xang Yu-Gi-Gua! Elle a dit un truc. Merci encore une fois. Y'a pas de quoi, c'est moi qui ai morflé. Bon, moi, je vais changer. Allez, on change. Bah, alors, ce catcheur. Alors, ce catcheur, The Edge, c'est une des superstars de la WWF. En fin de compte, c'est un mec adorable. Ouais. Il fait 1m95. Fait peur à la télé, mais tout gentil en vrai, quoi. Ah bon, 100 kilos de vrai muscle. Ah, tiens, je vais prendre un gros, du coup, ça me donne une idée. Je vais prendre lui, il est énorme. Mais tu peux prendre qui tu veux. Alors, t'as vu, dans le jeu, ils sont plus ou moins rapides, plus ou moins costauds. Je vais prendre. Lui, il a l'air très méchant. Voldo. Il a l'air extrêmement méchant, ce qui ne veut rien dire. Non, le look, quoi c'est que... C'est carrément le diable. Ouais. Tu me diras, le tien, il est pas mal non plus. Il y a un petit problème, on moi. On dirait la mort, le tien. Ouais. Les yeux blancs. Je peux pas l'empêcher de mourir. Ouh là là. Oh oui. Ah. Le costume est ridicule, Christophe. Tu t'en rends bien compte, quand même. Ouais, je suis d'accord, on dirait Goro. On dirait Goro dans Mortal Kombat. Ah, c'est celui qui avait plusieurs bras, c'est ça? Ah, la vache. Oh, la vache. Ça fait mal, le petit tire-bouchon, là. Je suis pas content, hein. Coup de tournevis, j'ai pas aimé. Il y a une espèce de gris rôtissoire du téléachat. Attends, si j'arrive à t'attraper, mon petit bonhomme. Pas mes espères non plus. Oh oui, il a le revers Boris Becker. Quel ouais, super efficace. Sans la raquette. Ça ne raconte pas les jeux que t'aurais. C'est meurtrier. Hein. Bon, oh là, il est content. Il est pas très très au niveau du dialogue. C'est pas très élevé. Non. Limite dans une bandane quoi. Allez, hop. Voilà, il est lent le mien. J'aime pas les lents, moi je préfère les mecs un peu plus rapides. Aïe! Faut que tu arrêtes avec ça maintenant, ça suffit. Faut pas que je te laisse approcher en fait, c'est ça le truc. Ouais mais d'accord, mais. Mais comme il est lourd le mien, j'ai du mal à te repousser. Ah, yes. Ah, un round partout. Donc, round de... Là, il faut des gants pour jouer avec normalement, ça. Normalement, ouais. Moi, j'ai des ampoules, des fois. Ah, ouais. Oh, pas mal. Puis le mien, il est fin, quand même. Il a... Oh, puis il a la classe. Ouais, tu vois, il est un acrobate et tout. Un peu contorsionniste dans le cirque. C'est peut-être une fille, d'ailleurs, non? Regarde. Non, bon, d'accord. Regarde, ouais, tout à l'heure. Aïe. Mais, Attends. On va refaire le Boris Becker tour. On peut en parler, hein? Vache. En fait, faut pas que je te laisse venir au corps à corps, sinon c'est ma fête. C'est pas bon du tout. Ah la vache, qu'est-ce que tu fais? Entre les jambes, incroyable. Double KO. Ah la vache, c'est la première fois que je vais faire. J'ai jamais vu avant ça. Draw, ça va, attends. Génial. Et donc, égalité. Ah, pas mal. Pas mal du tout. Je suis épuisé. C'est crevant, hein. Je suis une lock. Et c'est le plus crevant en vrai, non? J'imagine. Bon, alors, ouais, en vrai, non, en vrai, c'est hyper. Mais on s'entraîne beaucoup. C'est physique, quoi. Alors, t'as un maître d'armes, comment ça se passe? Ouais, il y en a plusieurs. Ouais. Ouais, et tu t'entraînes à peu près 3 mois avant de commencer à tourner. Et tu commences progressivement avec des épées en bois, des épées en plastique, des épées en aluminium, puis du vrai métal, et puis j'enlève mes lunettes, ce qui fait généralement très peur à l'adversaire parce que je vois rien. Et après au frites avec des vraies épées, non? Et puis après, ouais, non, mais c'est quand même préparé, ce qui est très bien, il faut que ce soit préparé, on n'est pas là pour se tuer. Et du coup, j'imagine le premier Highlander, c'est la première fois que tu apprenais.
t'avais joué. Absolument. Ouais. Donc après, comment ça se passe? T'as des acquis ou tu redoubles avec Lander 2, 3, etc. jusqu'au 4? Non, tu parce que les chorégraphies sont pas les mêmes et puis j'essaye d'évoluer dans les combats et. Donc chaque fois, t'as des bases et tu réactualises en fonction du film et de ce qu'on va te demander, quoi. Là, déjà en virtuel, j'ai du mal à pas me prendre une tôle. Ah non, pas dans l'eau! Il est tombé dans l'eau! Bon, t'as de la chance. C'est soufflé, n'est pas joué un peu, je trouve. Mais on joue là, non? Ouais. C'est foutu dans l'eau. Ça marche, il joue, hein. Nightmare, ouais. Il est pas mal. Ah ouais, non. Et moi, j'ai quoi? Un petit bâton, évidemment, que tu veux que je fasse? Bon, je vais essayer des trucs avec deux boutons. Et prochainement, pendant. Aïe, aïe! C'est ton truc, les trucs au corps à corps, j'ai remarqué. Moi, j'arrive à les parer parce que. Oh oui! Oh, t'as vu, pas mal ça. C'est l'équivalent de ce que tu me faisais tout à l'heure, je crois. Ouais, mais. Ils sont pas clairs. Ça frite dur. Ah, quand même, KO! Donc, ça fait un round partout. C'est vrai que cette espèce de petite chose là à gauche arrive à mettre ce monstre KO. Avec un pantalon ridicule en plus. Stylé, Queens. Non mais c'est pas mal fait hein. C'est beau hein, t'as vu comme c'est beau. Pourtant c'est un des premiers jeux de la Dreamcast, la console de Sega, et franchement il tient encore ailleurs. Il tient vraiment la route. Au niveau graphique c'est un des plus beaux. Puis j'ai fait ça parce qu'il y avait surtout des épées, des bâtons, des trucs, et je me suis dit tu dois connaître un peu peut-être. Et voilà. Ah non, non, non. Ciao. Ah ouh, donc ça va faire 2-1. Donc un match unique. Pas mal. T'es sûr que tu joues pas à des jeux de baston hein. Les gens qui font des gestes. Bon alors moi je vais garder mon petit nightmare moi. T'aimes bien? Ouais ouais. Je vais prendre une vivace moi en face. Il me plaît bien un nightmare. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas pris? Ah la cheveu blanc, je sais pas comment on dit. Blandasse peut-être, je sais pas. Elle a l'air sympa, regarde. Oui. Ah ouais, elle est très mignonne. Ouais, pas mal. Ça c'est ma cam. Et c'est notre cinquième combat. Donc très bien. Ah elle est pas mal. Oh, ouais. Des beaux pectoraux aussi, ouais, hein. Ouais. J'ai l'impression que ton épée elle est intégrée à ton bras, regarde. C'est complètement. Oh la vache. Je pensais que tu traites les filles. Attends deux secondes. Oh la vache. Bon, tu arrêtes maintenant. Tu vas aller dans l'eau avec ton armure, t'as pas bien nagé longtemps. Oui. Oh, elle me fait KO. Attends, c'est pas fini, je t'en remets un petit coup. Voilà. Parce qu'en fait, même qu'avec KO, tu peux continuer à taper. Ah. Ça sert à rien, ça dit. Ah oui, joli Ivy. Ouais, pas mal, hein. Ouais, elle est bien. On peut prendre le même tous les deux si tu veux. Ils sont une coupe de cheveux, je sais pas. Belle, elle est bien foutue. Ah, pas mal. Ah non, elle est en train de se préparer. Oh la vache, décidément le corps à corps c'est ton truc. Surtout avec elle, hein, ça se comprend. Aïe! Coup de pommeau d'épée. Oh oui! Attends, faut pas exagérer non plus. Non, j'ai bien avoir une gusée. Enfin quand même. Alors ça fait quoi ça? Un round partout? Ouais, équilibré hein! C'est quand même hyper violent. Ouais, bon, c'est pour rire quoi, c'est ça qui est bien. Ah ouais, non, je suis d'accord, c'est de la violence. C'est tellement exagéré en fait que voilà. Alors, c'est de la violence de fantaisie. heureusement. Heureusement que les gens font pas ça dans la rue en vrai. T'as déjà pris des mauvais coups d'épée genre, oh, non, pas comme ça. Ça doit arriver quand même, un cascadeur un peu maladroit ou. K.O. Goodbye. 3-1. J'ai eu une quinzaine de points de suture. Ah, quand même. À la main, ouais. C'est moins que Jackie Chan. Ouais, non, mais c'est plus que Marc Mercadier ou d'autres. Oui, oui, normalement. Les deux. Oui, à part en cuisine ou je sais pas, mais. Mais c'est sûr. Alors regarde, 3. 3-1. Attends, c'est pas fini, mon petit bonhomme. Bon, alors moi, tu sais quoi, je vais garder mon pote. Tu gardes si t'aimes bien. D'accord. Alors, attends, il est. C'est un dur de dur. Il a l'air, hein. J'ai du mal. En fait, il faut pas que je m'approche. C'est ça le truc. Faudrait que je trouve un gars. Mais oui, qui... mais si tu t'approches pas moi, je peux m'approcher. Oh, mais je peux m'enfuir. Un petit côté lâche, si tu veux, moi. De nature. Donc allons-y. Mitsuguri contre Nightmare, c'est reparti. Et toi, donc tu me disais que t'aimes bien jouer avec ta fille en fait alors. Ouais mais pas ça. C'est peut-être un peu violent. Oh la vache, un KO presque direct et je te laisse pas retomber, t'as regardé. Oui, t'es joli celui-là. C'est pas mal. Elle aime pas comme jeu ta fille? Oh, je te dis, elle aime les Super Mario, elle aime les petits trucs de son âge là. Mais elle joue pas tout le temps non plus. Ouais, tu l'empêches un peu ou... Non, je l'empêche pas, je la laisse.
moi aussi je peux le faire. Et c'est génial de jouer avec elle en tout cas, c'est ça le mieux en fait, c'est quand les parents jouent avec leurs gosses, tu vois, plutôt que leur interdire le truc de leur coin, ils se mettent aussi. En général ils s'aperçoivent assez vite que c'est super rigolo et que ça vaut le coup. Oui! Lequel est KO? C'est toi! Ça fait 3-2. Ah, pas mal, je remonte! Avantage, Christophe! Bon, il est temps que je change ce gnome. Gnome de 3-2. C'est pas si tard. Par contre, non, mais ce qui me plaît, j'aime bien son épée. Ouais, alors essaye de prendre, peut-être il y en a d'autres avec des épées. Celui que j'avais a une épée. Qui aurait. Il y a la hache qui est pas mal. Il y a le. C'est assez efficace. Non, il y a le monstre là, voilà. Je vais prendre Elvis, moi. Il y en a qui a une tête d'Elvis un peu. Regarde. Ce qu'elle en a dit. Hein, ouais, Jessica Rowan, un petit peu. Il a une bonne bouille. Oui, mais ouais. Bon, je sens que ça a frité, il a l'air bien, tiens. Ah oui, c'est Elvis. Entre Elvis et Bruce. Oh la vache là. Oh là là là. Le boucher. Bon. Et ben on va essayer de faire le poids face à ça. Hein. Pas tellement le choix de toute façon. Oh la vache. Je saute bien, bien haut, mais c'est pour morfler encore plus. Ah là là là, j'en place pas une là. Ah si quand même, tiens, regarde. Je suis petit. Je suis costaud. Oh, aïe. Oh bien le Nunchaku. J'aime bien. T'as essayé ça en vrai des Nunchaku, non? Non. Ça a l'air super dangereux. J'ai essayé une fois, ouais, je me suis fait très très mal. Oh là, lui maîtrise. Ah non, mais il est bon, ouais. Maxi, ça. Ah c'est ouais, pour c'est ça. Pas mal, je pense. Il est pareil, ça reste là. Oh, j'aime bien lui. La technique du boucheron. Ah non. La technique de la carpette, c'est pas mal aussi. Oh là là, qu'est-ce que je t'ai coupé en deux. Pratiquement. Vache. Oh oui, KO, double KO. Oh, ça me fait mon deuxième. Eh, ça fait quoi ça, 3-3. Bon, je le change, il est nul ce gros là. Mais prends des rapides. Moi, j'aime bien les rapides. Ouais, moi j'aime bien le lourdos avec le avec le rasoir, la Wilkinson électrique. Extrêmement dangereux. Manuel. J'ai pas pris. Elle est pas mal, elle là. Je reprends Nightmare, moi. Taki. C'est toi qui as pris Taki tout à l'heure. Alors, oui, Taki, c'est pas mal. Mignonne. Alors pourquoi il n'y a pas un projet de jeu Highlander? Il y a de quoi faire avec le jeu de. Non, mais il y a un projet. Ça y est, ils sont en train de le construire, ils sont en train de le faire. Je sais pas quand il sort. Ouais. Mais c'est cette compagnie. De Bordeaux, Calisto. De Bordeaux, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ah, en plus, c'est du bon, fait Calisto. Donc ça promet. Ça peut être ouais, non, puis ils travaillent vraiment dessus depuis. Et toi, tu sais si tu vas bosser dessus, genre faire des captures de mouvement? Non, je crois pas, quoi. Je veux dire, on en a parlé un petit peu, mais j'attends déjà de voir comment. Est-ce que ça donne? Ouais, est-ce que ça donne? Et puis, bah, ils sont bien capables de faire un truc aussi beau que ça. Pas mal. Ils maîtrisent. Ah ouais? Oh là là. Tu vois, c'est son bras, en fait. Une pince de crabe, en fait. J'ai l'impression. Bon, alors moi, par contre, c'est la petite body. Plutôt sympa. Oh là là, mais elle est costaud, celle-là. Elle est rapide, quoi. Par rapport au tien, ça doit pas être mal. Après, on essaye un combat de gros aussi. Ah là c'est dur là. Aïe. Ouf, okay. On va bien voir le ralenti. Ah quand même costume. C'est chaud hein. Je me demande des fois si c'est pas plus fatigant qu'en vrai. Faut qu'elle fait les deux. Non c'est pas plus. Non mais ça, simplement t'es beaucoup plus tendu qu'en ouais, vrai. Crispé, quoi. Bon un round pour toi mais je ne perds pas espoir. Aïe, oh la vache. En fait, non, mais avec toi, faut pas que j'aille au corps à corps, et puis c'est tout, et puis voilà, je le sais, et j'y vais à chaque fois. Oh la vache, c'est le coup de pommeau dans le museau, j'aime pas. Oh. Mais comment tu mets, regarde, je te mets, attends, t'as vu ce que je te mets? C'était mon souhait. T'as vu ce que je t'ai mis? Mais il reste à rien, je sais pas si t'as vu les points de vie, il me restait un demi-truc. Mais comment, tu mets un regarde, petit coup. Il reste ça, et toi, il te reste rien, mais c'est pas loin, quoi. Oui, mais c'est un coup féminin. Hein. Ah, ouais, mal, ouais, mais d'accord. T'as vu, il est fatigué. Hein. Bon, alors, encore un round. Du coup, parce qu'on en a gagné un chacun. Ah, ça. J'aimerais bien arriver à faire des trucs, là, comme tu fais, toi, au corps à corps. Faut que j'arrive à me rapprocher. Oh, oui. Moi, je fais des trucs super gracieux, mais... Ah, efficace, quand même. Alors, ça nous donne quoi au compteur tout ça? Eh ben, t'es à 4-3. 4-3 pas mal. Ouais, encore le temps de sortir une ou deux petites. Très bien. C'est la fête.
Elle est pas mal, elle est vraiment mignonne. Hein. Bon, alors attends. Tu restes sur ton gros ou tu peux faire changer un peu? C'est autre chose, on va voir. Qui on n'aurait pas pris? Quand je vois rien, tu me caches les meilleurs. Ah, excuse-moi. Ah, voilà. C'est pour ça, bah ouais. Allez, j'essaye lui. J'aime bien Sophia, moi. Je sais pas si c'est la jupette, mais j'aime bien. Alors, appuie sur le rouge pour qu'on choisisse un truc. Il veut choisir au hasard, voilà. Donc, Sophia contre... Il devrait te plaire celui-là, Mitsurugi. Ah, ouais, Mitsurugi est une bonne tronche. Il a une chouette épée. T'as vu le design des épées? J'ai vu une vraie épée d'Highlander, un petit type d'épée une fois. Ils font des reproductions. Il y a Excalibur, il y a Highlander, il y a des vrais trucs. Et elles sont magnifiques, quoi. Il doit peser quoi? 10 kilos, une épée comme ça. Bon, alors viens par là, mon petit Mitsu. Je sais pas quoi. Si, Sushi. La vache. Oh oui! Elle a un petit revers sympa, elle aussi. J'essaie de parler un peu plus les coups, parce que pour le moment... Vache. Bon! On entend encore des cris qui résonnent. Ah, pas mal. Ouais, ça lui a fait mal, ça, non? Ouais. Il s'est refait quand c'est une fille? Ouais, ça... Tu frappes plus fort tout de suite. Bizarre. Ouais, non, pourtant, j'adore les filles. Bah, en vrai, ouais. C'est ça, elle est cool après. Il faut dire, attends, elles sont quand même, elles sont costauds celles-là. Hein. Non, c'est vrai, c'est pas de la gnognotte. Et elles se laissent pas faire, mais bon. Non, mais c'est raison, faut avoir aucune pitié là sur ce coup-là. Oh la vache! Oh la vache, c'est quoi ça? Oui! Ouf! Chacun pas mal. J'y crois pas. Ouais, moi aussi. C'est le dernier. C'est le dernier, allez, allons-y. Bah, c'est le dernier, attends. Si tu gagnes, ça nous met à égalité, il faudra qu'on en refasse un autre. Voilà. Par contre, si je gagne. On dit que j'ai gagné. Alors, pas encore, attends. Ah, on y va, on y va. Suspense jusqu'au bout. Aïe, 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 aïe. J'ai rien à faire des trucs avec elle. Ça fait mal. J'arrive pas à te choper comme tu moi me chopes. Moi non plus. I won, I won. Alors, ça fait quoi, ça? Ça fait 5-4, je crois. 5-4. Ou même plus. Tu veux continuer ou pas? Attends, je sais pas combien on est. Non, c'est bon, là je suis déchiqueté. 5-3. Oh là là, t'auras du mal à remonter, il reste pas beaucoup de temps. Bon, un petit dernier pour le principe. Allez, un petit dernier. Allez. Et puis, attends, non, faut pas que je change. Alors, avec qui on va finir? Alors, moi, je vais encore reprendre mon espèce de monstre là. Bon, je vais prendre un gros aussi. Il m'avait porté sans, c'est comme ça que j'en ai gagné. 2 avec lui. Maintenant, je vais prendre Nightmare. Voilà, on va prendre chacun des gros balèzes. Ah, tu prends Nightmare aussi? Ouais, attends, t'as pris. Ouais. Ah, bah très bien. Ouais, alors, oh là là, ça va être quelque chose. On va ça. Voir. Vas-y, appuie sur le rouge. Comme ça, ça va choisir un endroit. Et on va faire une baston finale. Ah non, t'as pris Astaroth. Astaroth. Moi, j'ai Nightmare. Ah, mais toi, t'as l'autre abruti là. Ouais, j'ai les deux. On a les deux gros. Ouais, d'accord. On a les deux finaux là. Bac plus 6, on les appelle tous les deux. Oh là là. Oh la vache, ça va être notre... Ça va péter l'écran. Donc Christophe a un très beau home avec un panache rouge. Et je viens d'en faire un steak haché. Qu'est-ce qu'il m'a mis? Je sais pas comment j'ai fait. J'ai la grosse hache et là la grosse épée. On va voir ce que ça te donne. Oh la vache. Je vais me faire sortir du ring. Ah là, allez, continue. Ah, yes. C'est monstrueux. Ah, c'est bien avec deux gros en fait. Pas mal. Sinon, quand il y a un rapide, un gros, ça déséquilibre un petit peu. Alors que là, on peut voir. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'on comprend pas ce qu'il dit. Le... C'est sous-titré des fois. Non, c'est pas ça, c'est. De toute façon, à travers le home, il a dû dire un truc genre. Ça doit avoir l'air vachement mal ou un truc dans ce goût-là. Aïe, 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 non, pas encore. Il faut vraiment que je m'y fasse à ça. Non, c'est non, pas yes. Bon, terrible. Alors, ça donne quoi? 4-5? Oh, encore un peu de temps là devant toi, ouais, juste pas un beaucoup, combat, hein, juste pas pour beaucoup. Voir. Allez, ça m'énerve. Ça fait quoi? 5-4. Bon, allez, on essaye et puis on va voir ce que ça donne. Je reprends mon gars avec mon Munchaku. Donc, ah, allez. Ouais. Alors, ah oui, t'as choisi déjà? Moi j'ai pris Nightmare. Tu restes? Ah ouais, c'est une grosse brute. Ok, alors allons-y. Borgborigme, je comprends rien de ce qu'il dit. Oh, mais comme fort. C'est un monstre. Oh, j'adore cette coupe de cheveux. Faut vraiment que j'essaye. Moi. C'est vrai. Non, mais lui, c'est vrai qu'il est bon. Mais on va voir ce qu'il fait avec mon petit nain là. Il lui fait le nain. Ah bah bravo. Non, pas au corps à corps. À chaque fois. Et pourtant, j'y vais. Et moi, je voudrais bien faire des trucs au corps à corps. Et j'y arrive pas, franchement.
De Zeus. Ah la vache. Attends, il doit avoir des trucs bien. Ah quand même. Ah non, il m'a mis KO. Ah c'est redoutable. Hein. Ça te donne envie de te mettre au jeu de baston un petit peu? Ouais, non, non, mais attends, j'aime bien Mortal Kombat, tout ça. Je fais encore de temps en temps. Hein. C'était saignant Mortal Kombat. Hein. Ah ouais, ouais. Il a arraché la colonne vertébrale de l'adversaire. C'est quand même gracieux. Merde, j'ai sauté pour rien, là, j'ai rien fait. Oh non! J'aime bien le Nunchaku en fait, je trouve que c'est assez efficace. C'est vrai que c'est efficace, ouais. Mais je pense que... Ah, ah t'es eu là. Ah bon Christophe, c'est sans six... appel. Pour une fois que je gagne, dis donc que j'ai de la chance. 6-4. 6-4 je crois, c'est ça? Ouais. On va vérifier crois, tout de suite. Ouais. Bon mais tu t'es bien battu, c'était cool. Non mais il cool, est bon Maxi quand même. Ouais. Non, non, c'est génial. Des gars. Faut s'entraîner avec le même en fait, et puis au bout d'un moment tu finis par 6-4, ouais, bon. Alors, attends, je vais rappeler juste pour qu'on ait un beau décor pour finir et pour se dire au revoir. On va choisir un truc, voilà, un peu sombre. Sans se friter, voilà, juste comme ça pour se dire au revoir. Bon, en tout cas, merci d'être venu. Bah, merci cool. À toi. C'était bien. Et bien. À bientôt. Je vais m'entraîner, je reviens l'année prochaine. Il y aura un nouveau jeu, mais. Donc, il y aura Highlander 4, le film déjà. Ça sort quand le 2 mai. Ça sort quand le 2 mai, ouais. Je crois, ouais. Ouais. Et le jeu après. Ça, on sait pas et quand. Le jeu après. À la limite, tu reviendras peut-être te friter. Ouais, on invitera les mecs qui font le jeu et ouais, tout ça. On verra et, ce qu'ils donnent, et je le vais aller les voir très bientôt, comme ça, j'amènerai le jeu avec moi. Et on fera l'émission avec mon jeu. Donc le truc truqué avec les barres de Fabio au maximum. Non, c'est des gens entraînés en secret. Non, 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 mais attends, c'est bien marré. Ouais, c'est vrai que c'est cool. Bon, Christophe, merci d'être venu, vraiment. Merci sympa. À toi. Ciao, et merci. Puis bah, nous, à bientôt pour un prochain Level One. Ciao.